Je suis agriculteur en GAEC avec un frère. Nous cultivons 250 hectares en céréales oléoprotéagineux. Nous sommes dans des terres argilo-calcaires, avec d'un côté des terres de groix, de l'autre des terres noires de marais. Et entre les deux, la majorité que nous exploitons est plus argileuse et collante. D'où notre réflexion en 1996 de toucher le moins possible ces terres très collantes. Nous sommes passés en non-labour cette année-là pour des raisons économiques en premier. Nous avons pratiqué du TCS pendant 5 ans. Et nous n'en étions pas trop satisfaits. En 2000, nous sommes allés voir des couverts végétaux. Cela nous a emballés. En même temps que les apprentissages de ce type de semis, nous avons découvert l'agronomie et la vie du sol. C'est notre dernière campagne à mon frère et à moi-même. Le GAEC s'arrête à la fin de cette année et nous scindons la ferme en deux. D'un côté, les deux fils de Philippe, ils reprennent 125 hectares et continuent le système existant. Le reste de 125 hectares et le site d'exploitation actuel sont repris par mon fils Mathieu. Il continue lui aussi le système en ajoutant un troupeau de moutons. Nous avons donc créé un système durable pour les sols et acceptable pour la reprise de nos jeunes. Nous vous attendons le 10 novembre pour des échanges riches et constructifs.